Bienvenue en ce premier dimanche de l'Avent. D'ailleurs, je réalise qu'on n'a pas encore allumé la première bougie. On va le faire après. Ou alors, est-ce que je peux demander à Régine ? Voilà. Ce temps de l'Avent donc, qui nous prépare à la célébration de la fête de Noël. Aujourd'hui, vous savez, alors que l'année civile n'est pas encore terminée, eh bien, l'Église entre dans une nouvelle année, ce qu'on appelle une nouvelle année liturgique. Et c'est un peu, comme le soulignent certains, une parabole, une image qui illustre que dans ce monde soumis à la mort, eh bien, la venue de Christ inaugure un temps nouveau. C'est aussi ça que nous célébrons ce soir. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Alléluia. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous sommes rassemblés dans l'attente de ta lumière, dans l'attente de cette lumière et dans l'espérance de ta venue. Prépare-nous à t'accueillir. Prépare-nous à marcher avec toi. Que nous demeurions en toi. Que ton Saint-Esprit ce soir vienne renouveler en nous l'amour, la foi et l'espérance. Que ton Saint-Esprit ce soir conduise notre louange. Que ton Saint-Esprit inonde ce lieu. Et qu'en ton nom, Seigneur Jésus, tout ce qui pourrait en nous et autour de nous s'opposer ou résister à ta parole et à ton esprit soit balayé et chassé. Nous accueillons ta présence, nous accueillons ta gloire. Nous accueillons ta vie. Bienvenue Jésus. Amen. Bonsoir. En ce premier dimanche de l'Avent, on vous propose de commencer par un chant qui dit « Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever ». Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Bientôt
Avant de continuer à chanter, je vous propose d'écouter la deuxième partie du psaume 24, qui est le psaume de ce jour. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire ? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Et pour répondre à ce texte, je vous propose de chanter ce chant de réjouissance. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Amen. Voilà. On y va ? Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, et jeunes filles danseront de joie. Laï, 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 promesse de Dieu pour toi ce soir. Il changera ta tristesse en joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Alors, on continue dans la louange avec le fleuve de Dieu nous invite à danser. Vous pouvez rester assis, mais c'est plus facile de danser quand on est debout. Le fleuve revient, nos amis, va danser.
Amen. Le Seigneur nous invite à entrer dans ce fleuve et à nous laisser emporter par ce fleuve de louanges. Alors, le chant suivant, c'est un chant du groupe Glorious. Je ne sais pas si pour ceux qui y étaient, il y en a peut-être qui étaient au concert. Voilà, il y avait jeudi un concert, vendredi, samedi. On s'est retrouvés dans une église de Strasbourg. On était 900. 900 personnes qui louent le Seigneur, qui dansent, qui crient, qui chantent. C'était magnifique. C'était vraiment magnifique. Et ben, ils n'ont pas pris ce chant-là que moi j'avais choisi, mais ça ne fait rien. Louez-le. Louez-le. Qui que vous soyez, donc si tu viens pour la première fois et que personne ne te connaît, eh bien Dieu te connaît et tu peux le louer. Qui que vous soyez, louez-le. Où que vous soyez, louez-le. En toutes circonstances, louez-le. C'est parti ? Je me suis trompée. Non, c'est capo 4 en sol. Ça nous fait si majeur. On y va ? Merci Mira. Confins de la terre, va résonner notre prière. Nous chanterons car tout est accompli et nous vivons de l'esprit. Qu'éclate en toutes les nations le réveil d'une génération. Nous danserons car tout tiens d'Orient.
quatre coins de la France. S'élève un chant, n'est-ce une danse pour le Messie, car tout est accompli. Amen. Aux quatre coins de la France et à Strasbourg, vous êtes d'accord? Louez-le à Strasbourg, louons-le encore. Alors il y a un chant qui est peut-être encore un chant que vous ne connaissez pas, mais ça ne fait rien, ce soir on vous gâte, on vous fait des cadeaux de chants nouveaux. Et ce chant, en fait, il est puissant parce qu'il parle de la croix. Il parle de Jésus qui a triomphé. Mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Jésus-Christ a triomphé. Alors je vous invite à l'écouter, à vous en imprégner et à nous rejoindre pour chanter. Des ténèbres il s'est levé, la pierre est roulée, Christ a triomphé. Il surgit dans la lumière, vainqueur de l'enfer, Christ a triomphé. On va reprendre ça ensemble. Des ténèbres il s'est levé, des ténèbres il s'est levé, la pierre est roulée, Christ a triomphé. Il surgit dans la lumière, vainqueur de l'enfer, Christ a triomphé. Ô mort, où est ta victoire? Où est ton pouvoir? Le tombeau est vide. Dieu le Après la peur vient la foi, les larmes de joie, Christ a triomphé. Le royaume s'est approché, l'amour a gagné, Christ a triomphé. Ô mort, où est ta victoire? Où est ton pouvoir? Thank you.
Merci Jésus, parce que tu as le dernier mot. Merci parce que tu as triomphé. Merci parce que tu as vaincu la mort. Et que tu es la lumière. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur
puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, il est saint. Faisons monter vers Dieu notre louange. Nous sommes vivants grâce à toi. Oui, nous sommes accueillis tels que nous sommes. Nous ne méritons pas la grâce que tu nous fais. Et elle est pour chacun de nous.
Thank you.
au-dessus de tout ce qui veut assombrir nos vies et notre société, au-dessus de tout ce qui veut s'opposer à ta volonté, à ton amour, nous proclamons que tu règnes, Dieu trois fois saint. Tu règnes. Et ce soir, nous prenons position pour ton règne. Nous proclamons que tu es roi des rois, seigneur des seigneurs. Et nous accueillons ton règne dans nos vies. Chantons encore que pour la durée des temps, l'Éternel règne. L'Éternel règne. Père, merci pour la parole que tu nous adresses en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Merci pour cette parole qui résonne dans les Saintes Écritures. Ce soir, parle à nouveau à nos cœurs. Que ta parole naisse dans nos vies, que ta lumière brille en nous et que ton règne grandisse en nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, nous poursuivons notre méditation de la prière du Notre Père, telle que Jésus l'enseigne dans l'Évangile de Matthieu. Et nous arrivons bientôt à la fin de notre parcours, puisque nous parvenons ce soir aux deux dernières demandes. Donc en Matthieu 6, 13, « Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal ». Et j'ai envie de dire que ce premier dimanche de l'Avent tombe à pic. En effet, le temps de l'Avent nous est donné, vous le savez, pour nous préparer à célébrer Noël. Or, c'est vraiment un temps où nous sommes appelés à préparer nos cœurs pour le Seigneur. Un temps pour changer en nous ce qui doit l'être, pour nous ouvrir à la bonne nouvelle de l'Évangile de Noël. L'évangile de la naissance de Jésus, la bonne nouvelle, pardon, de la naissance de Jésus. Et donc, un temps pour nous apprêter à accueillir le Seigneur Jésus tout à nouveau dans nos vies comme notre lumière et notre salut, comme notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Luther, à la suite des pères de l'Église, y voyait là deux requêtes distinctes qu'il traitait séparément l'une de l'autre, donc comme la sixième et la septième demande. Et ces deux demandes, pourtant, elles sont étroitement liées
l'une à l'autre, tellement liées que, vous savez, dans la tradition réformée, tant le catéchisme de Genève que le catéchisme de Heidelberg les présentent comme s'il s'agissait d'une seule et même demande. En effet, il s'agit en fait deux fois un peu de la même chose, mais exprimée différemment. Une fois de façon négative, ne nous laisse pas entrer en tentation, et après de façon positive, délivre-nous du mal. Et comme pour les autres demandes du Notre Père, cette double requête, elle puise ses racines dans la prière juive. Je pense notamment à ce qu'on peut lire dans la prière individuelle du matin. Ne me livre pas entre les mains de la faute, ni du péché, ni de la tentation, ni de la honte. Qu'il te plaise, Seigneur mon Dieu, Dieu de mes pères, de me délivrer d'un homme méchant, d'un compagnon méchant, d'un voisin méchant, de Satan le destructeur, d'un jugement dur, d'un juge dur, qu'il soit fils de l'Alliance ou qu'il ne soit pas fils de l'Alliance. Un jour, un homme en recherche se rend dans un monastère et demande à rencontrer le prieur qui est réputé pour sa très grande sagesse. « Je veux rendre ma vie meilleure, déclare-t-il, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir des pensées coupables. » Le sage remarque que dehors le vent souffle très fort et il dit au visiteur « Vous savez, il fait très chaud ici. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, attraper un peu du vent de dehors et le faire entrer dans la pièce pour la rafraîchir ?»« Mais c'est impossible, » dit le visiteur. « Eh bien, de la même manière, il est impossible de ne pas avoir de pensées qui sont contraires à ce que Dieu veut. Mais si vous savez dire non à la tentation, elles ne vous feront aucun mal. » En effet, lorsque nous disons « ne nous laisse pas entrer en tentation », nous ne demandons pas à Dieu notre Père de faire en sorte que nous n'ayons plus de tentation. Nous ne lui demandons pas de supprimer l'existence des tentations, c'est-à-dire l'existence de tout ce qui tend à nous éloigner de son règne et de sa volonté, et donc de la communion avec lui. Non, nous lui demandons simplement de nous aider afin que nous n'entrions pas à l'intérieur de la tentation comme on entrerait dans la cellule d'une prison pour nous y enfermer. Autrement dit, nous demandons à Dieu de nous donner de ne pas aimer la tentation, de ne pas y consentir, de ne pas y céder, de ne pas y succomber, de ne pas dire oui au tentateur, mais au contraire de lui dire non et de sortir de la tentation. Revenons au sage prieur de notre petite histoire. Un autre jour, un autre visiteur vient au monastère interroger ce sage. Vous qui avez fait vœu de pauvreté, si vous voyez des pièces d'or dans le désert, est-ce que vous pourriez les regarder, ces pièces d'or, comme de vulgaires cailloux? Est-ce que vous pourriez les mépriser comme de simples cailloux? Non, absolument pas, répond le sage. Mais j'arriverai à me maîtriser et à poursuivre ma route sans m'arrêter pour ne pas m'en emparer. Le visiteur poursuit et insiste. Et si aujourd'hui vous trouviez une belle femme dans votre lit, parviendriez-vous à vous convaincre que ce n'est pas une femme? Non, certainement pas, répond le sage. En revanche, je saurais me tenir et je lui demanderai de quitter mon lit. Ce que le sage exprime ici, c'est bien le fait qu'il ne peut pas vivre sans tentation, mais qu'il lui appartient d'y résister et d'en sortir. C'est ainsi que les réformateurs, comme avant eux les pères de l'Église, ont toujours bien fait la distinction entre le fait d'être tenté, d'une part, et d'autre part, le fait donc d'entrer dans la tentation, c'est-à-dire de l'approuver, de s'y enfermer et d'y céder en commettant le péché. Encore une fois, nous ne pouvons éviter d'être tentés,
mais nous pouvons, avec l'aide de Dieu notre Père, éviter d'entrer dans la tentation. Comme le dit le fameux proverbe attribué à Luther, nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais nous pouvons les empêcher d'y faire leur nid. Il nous faut donc être vigilants et résister comme la Bible nous y exhorte en 1 Pierre 5, versets 8 et 9. « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. » Voyez-vous, ne nous laisse pas entrer en tentation, ça veut dire « Ô Père, accorde-nous en Jésus-Christ la force de résister à nos désirs mal ajustés et tordus, la force de ne pas nous laisser piéger par les ruses et les suggestions du diable, la force de sortir vainqueur des épreuves qui attaquent notre foi, qui attaquent notre relation avec toi et notre enracinement dans ta vie et dans ton amour. En effet, par-delà la simple attirance des choses défendues, la tentation, c'est plus profondément l'épreuve. L'épreuve dans laquelle, en proie aux puissances de destruction hostiles à l'Évangile, eh bien, nous pouvons voir notre foi, notre espérance et notre amour défaillir et s'effondrer. D'ailleurs, dans le texte original, le mot grec traduit par « tentation », il veut aussi dire « épreuve ». Je reviens à notre sage prière. Un jour, il surprend un garçon assis sous l'un des pommiers du monastère. Le sage l'interpelle aussitôt et lui demande « Dis donc, gamin, tu cherches à voler nos pommes ou quoi ?»« Non, mon frère, j'essaie de me retenir. » Eh bien, mon garçon, lui dit le sage, si tu n'avais pas escaladé la clôture pour venir t'installer dans notre verger, tu ne serais pas entré sur le terrain de la tentation. Par conséquent, tu n'aurais pas besoin, comme tu dis, d'essayer de te retenir. Je ne te demande donc pas d'essayer de te retenir, moi je te demande de quitter le verger immédiatement. Comme ça, tu sortiras du terrain de la tentation. Oui, sœurs et frères, j'insiste là-dessus, il ne s'agit pas de demander à Dieu la force de subir la tentation, mais il s'agit de lui demander la force d'en sortir. Je voudrais maintenant faire trois remarques complémentaires. Première remarque, prier ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ça implique de reconnaître humblement notre faiblesse et notre besoin de Dieu. Par nous-mêmes, par nos propres forces, nous ne pouvons pas vaincre la tentation. En Matthieu 26, 41, Jésus dit « Veillez et priez afin de ne pas entrer dans la tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Oui, notre esprit, il est bien disposé. Il est bien intentionné, il est animé par le désir de faire la volonté de Dieu. N'est-ce pas ? Mais notre chair, c'est-à-dire notre nature humaine marquée par le péché, elle est faible et vulnérable. Elle nous tire vers le bas. Nous avons donc besoin de prier pour puiser notre force dans le Seigneur et pour recevoir de lui le secours et la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, vous savez, ça n'a rien à voir avec le self-control, le contrôle de soi. Ça n'a rien à voir avec nos émotions qui contrôleraient nos émotions, avec nos pensées qui contrôleraient nos pensées ou avec notre volonté qui contrôlerait notre volonté. Ce n'est pas un effort de notre âme sur notre âme. Non, ça relève de la dimension spirituelle. En effet, il s'agit de la neuvième composante, la maîtrise de soi, du fruit de l'esprit, Galates 5, 22. Elle consiste, cette maîtrise de soi, en la victoire remportée sur la tentation par notre esprit, lui-même
rempli, animé, conduit par le Saint-Esprit. C'est dans notre communion avec Jésus et dans l'accueil du Saint-Esprit que nous pouvons vivre cette maîtrise de soi. Or, chercher notre soutien et notre force dans le Seigneur, accepter de dépendre totalement de lui, c'est tout simplement vivre en fils et en fille de Dieu. C'est d'ailleurs toujours le but poursuivi par la prière du Notre Père, hein. Affermir notre vie, notre identité, notre position et notre dignité de fille et de fils de Dieu. Deuxième remarque, comme le soulignaient les pères de l'Église, l'épreuve de la tentation, elle peut avoir son utilité. En effet, elle nous permet d'exercer notre foi, notre espérance et notre amour. Elle nous permet de les manifester, de les développer. Quand nous sortons vainqueurs de l'épreuve de la tentation, nous sommes grandis et affermis. Un jour, un enfant a entre les mains un cocon duquel le futur papillon est en train de sortir. Le futur papillon essaie donc de se dégager en se débattant contre les parois résistantes. Pris de pitié, l'enfant ouvre le cocon à l'aide d'une paire de ciseaux pour permettre à l'animal de se libérer sans effort. Mais ça, c'est une erreur fatale. En effet, au lieu de s'envoler joyeusement, comme l'enfant l'avait pensé, eh bien, le pauvre papillon demeure là, sans pouvoir déployer ses ailes, sans même pouvoir se dresser. Les mouvements qu'il faisait pour se dégager du cocon étaient indispensables pour lui permettre de déployer ses ailes et de fortifier son corps. Mais l'enfant ne lui a pas permis ça. Ce que je retiens de cet exemple, de cette illustration, c'est bien le fait que nos combats contre la tentation peuvent nous permettre de développer nos forces spirituelles, la force de notre amour, de notre foi et de notre espérance. Quand vous serez tenté, Dieu vous donnera la force de le supporter et le moyen d'en sortir. 1 Corinthiens 10, verset 13. Troisième remarque, ça c'est la plus longue. Prier ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est nous ancrer dans la victoire de Jésus, la victoire qu'il a remportée en Matthieu 4 sur le tentateur. Le mot mal ici en grec désigne surtout, vous le savez, le mauvais, le méchant, le malin. C'est le diable, le diviseur, c'est le Satan, l'adversaire, c'est le tentateur. Souvenez-vous, lorsqu'après son baptême, l'Esprit a conduit Jésus dans le désert pour y être tenté, eh ben, il a alors fait face à trois tentations. Trois tentations qui recouvrent toutes nos tentations. Et il en a triomphé. Première tentation, après 40 jours de jeûne, Jésus a faim et le tentateur s'approche de lui et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus est attaqué dans son identité de fils de Dieu et dans sa position de fils de Dieu. Il est sommé de prouver qu'il est bien fils de Dieu et de le prouver en se donnant les moyens, disons, d'une consommation sans limite. De la même façon, le tentateur veut nous attaquer dans notre filiation divine. Il veut nous faire sortir de la dépendance et de la confiance à l'égard du Père via la recherche d'une consommation sans limite. Ça recouvre tout un tas de tentations. Par exemple, tentation, évidemment, à accumuler de l'argent et des biens matériels. Tentation de te crisper
sur ce que tu possèdes, d'y chercher ta sécurité, de t'y attacher excessivement au point d'en être prisonnier. Ou encore, tentation de réduire la personne de l'autre, le corps de l'autre, ou ta propre personne, ton propre corps, à l'état d'objet que tu consommes, d'objet de plaisir, de choses que tu utilises pour combler tes manques et satisfaire tes désirs, qu'il s'agisse de désirs sexuels ou de désirs d'être, tout autre désir d'être rassuré, désir de sécurité, etc. Ici, la personne, elle n'est plus sujet d'amour, elle est objet de plaisir et de consommation. Ou encore, tentation de vivre la louange, ça je suis sûr que ça ne vous dit rien du tout, tentation de vivre la louange uniquement comme un moyen de consommer les bénédictions de Dieu. Donc tentation de réduire Dieu lui-même à l'état d'objet dont tu te sers pour satisfaire tes besoins de bien-être, etc. Réponse de Jésus, il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, toute parole qui sort de la bouche de Dieu se résume dans la parole d'élection et de filiation et de tendresse que Jésus vient d'entendre lors de son baptême. Enfin, vient d'entendre, ça fait 40 jours. Hein, mais celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, ma faveur, ma satisfaction, ma joie, ma reconnaissance. Jésus, ici, se reconnecte à cette parole du Père. Il remplace la logique de la consommation par la logique de la communion avec le Père. Eh bien, unis à Jésus par la foi, il nous est donné à nous aussi d'accueillir cette parole d'élection et de filiation au plus profond de nous. Plus nous nous ouvrons à elle, et plus cette parole nous plonge dans la vérité de l'amour du Père qui nous accueille et nous fait vivre. Il s'agit donc pour nous, sœurs et frères, de nous ancrer dans la communion avec le Père, de vivre de sa parole et de vivre dans une logique de communion qui impacte aussi nos relations avec les autres. Alors, nous vivrons dans la confiance et la reconnaissance vis-à-vis de notre Père céleste, ainsi que dans le respect profond envers nous-mêmes et envers les autres. Nous vivrons avec la vive conscience, non pas que tout nous est dû, mais que tout est don. Deuxième tentation, le diable emmène Jésus dans la ville sainte, il le place sur le faîte du temple et il manipule les Écritures en disant « Si tu es le Fils de Dieu, prouve-le. Jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelques pierres. » Ça, c'est la tentation d'utiliser Dieu et d'abuser de lui pour le mettre au service de son ego, de son orgueil, et ce, en cherchant à dépasser les limites humaines et terrestres, quitte à jouer ici avec la mort. Jette-toi dans le vide, les anges de Dieu te protégeront. Et comme ça, tu vas pouvoir en mettre plein la vue aux autres et tu vas pouvoir les impressionner. Ça aussi, ça recouvre tout un tas de tentations. Tentation de la démesure et de la mégalomanie en utilisant Dieu et le spirituel. Tentation de la toute-puissance en utilisant la foi comme moyen d'échapper aux faiblesses humaines, de vivre dans le miraculeux permanent et de s'élever au-dessus du commun des mortels. Ou encore, tentation de dépasser les limites humaines avec le fameux transhumanisme. Vous savez, le transhumanisme, ce mouvement qui veut utiliser les progrès de la science et de la technologie, les progrès de la biologie et de l'intelligence artificielle, pour créer un super-humain qui triomphera de toutes les maladies et même du vieillissement et même de la mort.
Jette-toi dans le vide de tes fantasmes et l'idole transhumaniste va te sauver. Ou encore, tentation des manipulations génétiques en tout genre, tentation du clonage, tentation de la PMA pour toutes et de la GPA pour dépasser les limites de la biologie et de la création et prendre la place du créateur. Jette-toi dans le vide des apprentis sorciers et l'idole du progrès scientifique et technologique va te sauver, etc. Réponse de Jésus, il est aussi écrit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Jésus refuse d'utiliser le Père, il ne se jette pas dans le vide, il ne descend pas vers la mort parce qu'il vit simplement de la tendresse du Père qui est descendu vers lui à travers la colombe du Saint-Esprit. Oui, cette colombe descendue sur Jésus après son baptême, elle est l'expression de la tendresse de Dieu le Père. La colombe du Saint-Esprit, c'est le baiser que le Père donne au Fils. Et Jésus se reconnecte certainement encore une fois à cette expérience de son baptême. De la même façon, le don du Saint-Esprit est pour nous et il répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Cette expérience, il nous faut toujours plus l'approfondir en nous ouvrant toujours plus à la tendresse, à la bonté, à l'amour du Père. Il nous sera ainsi donné de dépendre humblement de l'esprit de tendresse et de filiation en accueillant humblement ses dons. Vous savez, accueillir les dons du Saint-Esprit, ce n'est pas en faire des trophées, ce n'est pas en faire des gadgets au service d'une recherche de performance spirituelle. Non, accueillir les charismes, les dons spirituels, c'est les laisser s'exprimer, c'est laisser s'exprimer à travers nous l'amour du Père. Don des langues, don de prophétie, don des guérisons, don de discernement des esprits, don de miséricorde, etc. Tout ça doit être accueilli simplement, simplement, comme des manifestations de la tendresse du Père qui nous traverse et nous utilise pour l'édification de l'Église et pour le témoignage. L'accueil humble, simple et reconnaissant de la tendresse du Père à travers la colombe du Saint-Esprit, c'est une clé importante pour vaincre le tentateur. Enfin, troisième tentation, on arrive au bout. Le diable emmène Jésus sur une très haute montagne et il lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire. Et il lui dit, tout ça je te le donnerai si tu te prosternes et si tu m'adores. C'est la tentation du pouvoir absolu et de la domination qui implique l'adoration du diable. En effet, tout pouvoir absolu et donc abusif implique les recettes de la manipulation, de la séduction, de la domination, de l'intimidation, de l'intrusion et du contrôle, éléments qui relèvent tous de la sorcellerie et donc de l'adoration du diable. Un tel pouvoir, c'est la contrefaçon diabolique de l'autorité que Dieu nous donne, autorité comme service pour bénir et édifier. Réponse de Jésus à la tentation de ce pouvoir diabolique, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable démasqué se retire. Et quoi ? Et qu'est-ce qui se passe ? Et les anges viennent servir Jésus. Pourquoi les anges viennent servir Jésus ? Parce que le ciel est ouvert. Oui, le Christ s'est positionné ici en adorateur du Père. Et celui qui adore le Père, eh bien, contemple le ciel ouvert au-dessus de lui.
Il n'est pas fasciné par les ténèbres, il est émerveillé par la réalité du ciel ouvert. C'est encore ici une connexion à l'expérience faite à la sortie des eaux du baptême, lorsque Jésus a vu le ciel se déchirer, s'ouvrir. Frères et sœurs en Jésus, le ciel de Dieu est ouvert au-dessus de nos vies. Nous avons librement accès à sa présence, à sa vie, à son trône de grâce. Dans l'adoration, tout notre être se prosterne devant la splendeur et la sainteté de Dieu et accueille l'atmosphère du ciel. Et les ténèbres fuient devant la lumière. Voilà donc, sœurs et frères, comment Jésus a été amené, en faisant face aux trois tentations, à remonter les trois éléments de son expérience au Jourdain. Il y a quelques semaines, dans le cadre de mon deuxième message sur Notre Père, je vous parlais de ces trois socles sur lesquels l'invocation du Notre Père qui est aux cieux nous établit. Le ciel ouvert, le don de la colombe du Saint-Esprit et la parole d'élection et de filiation du Père. Trois socles pour nous positionner dans la révélation de l'amour du Père et de sa puissance de guérison et de restauration. Ces trois socles, ce sont aussi les trois clés qui nous sont données pour sortir de la tentation. Trois clés que nous pouvons saisir lorsque nous prions, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. J'aimerais conclure en citant juste l'explication et la reformulation que le catéchisme d'Heidelberg donne de cette demande. Puisque de nous-mêmes, nous sommes si faibles que nous ne saurions subsister un instant, et que de plus nos ennemis mortels, le diable, le monde et notre propre chair, nous assaillent sans cesse, veuille nous soutenir et nous fortifier par la puissance de ton Saint-Esprit. Ainsi seulement, nous pourrons leur résister avec courage et ne pas succomber dans ce combat spirituel jusqu'à ce qu'enfin nous remportions une pleine victoire. Amen. Amen. Est-ce que l'équipe peut revenir ? On va vous proposer ce soir une démarche. Quelles que soient les épreuves de vos tentations, vous l'avez compris au sens large, mais plus profondément encore, l'épreuve dans la tentation de ce qu'elle nous confronte aux puissances hostiles qui veulent nous faire perdre la foi, l'espérance et l'amour. Quelle que soit cette situation, vous êtes invités ce soir à vous approcher, pendant les chants que nous allons prendre, à recevoir l'onction d'huile. Et en recevant l'onction d'huile, à pouvoir accueillir ces trois socles, ces trois clés, accueillir la réalité du ciel ouvert, accueillir le don de l'Esprit, accueillir la parole de tendresse et de filiation du Père qui vous déclare ses filles ou ses fils bien-aimés. Amen. Abba Père, au nom de Jésus, renouvelle ce soir en nous cette expérience qui est au fondement de notre vie chrétienne, le ciel déchiré, le ciel ouvert, le libre accès à ta présence, mais aussi le don du Saint-Esprit dans toute sa tendresse et sa puissance victorieuse, ton baiser, l'expression de ton amour et encore la parole que ton esprit adresse à notre esprit et qui nous dit « Tu es enfant de Dieu, tu es fille, fils bien-aimé, précieux de ton Père qui est aux cieux. » Ce soir, que ces paroles nous repositionnent dans notre dignité, notre valeur, notre identité,
notre position de fille et de fils de Dieu, pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. On va prendre ce chant, je vais demander aux équipiers de prière de s'avancer, et puis vous pourrez ensuite venir pour recevoir cette onction d'huile, et avec elle l'œuvre de Dieu dans vos vies. Prosternons nos cœurs et inclinons nos vies.
J'ai dans mon cœur que le Seigneur dit, ça concerne au moins deux ou trois personnes dans l'assemblée. Le Seigneur te dit, il y a des paroles qui ont été posées sur toi. Des paroles de condamnation, de jugement et de condamnation qui font que tu ne t'aimes pas. Que tu as l'impression d'être une personne moche. Et ce soir, je veux te révéler que tu es une belle personne. Ce soir, je veux enlever de ton cœur tous ces mensonges qui voulaient te dévaloriser, qui voulaient te faire croire en ta soi-disant laideur. Ce soir, je te dis que spirituellement et physiquement, tu es une belle personne, te dit Dieu ton Père. Il y a aussi d'autres personnes qui sont en proie à des combats intérieurs, des rechutes régulières dans le péché à cause d'un travers. Et Seigneur te dit ce soir, en manifestant mon amour pour toi, je te donne la victoire sur ce qui t'accablait. Ce soir, saisis simplement mon amour de Père pour toi. Et avec cet amour, reçois la victoire. Je vous soumets ces paroles.
Prions encore. Seigneur Jésus, tu viens pour accomplir les annonces des prophètes. Nous te prions pour l'Église en chemin, qu'elle prépare ta venue, qu'elle désigne l'injustice par son nom et qu'elle éclaire par ta vérité ceux qui sont en recherche. Nous te prions pour toutes les personnes qui exercent une influence dans la vie publique, qu'elles n'oublient pas leurs responsabilités dans la gestion des biens de la terre et qu'elles aient le souci du bien-être de tous les humains. Nous te prions pour les personnes stressées et surmenées, qu'elles trouvent un espace pour reposer leur corps, leur âme et leur esprit. Nous te prions les uns pour les autres. Garde nos sens en éveil pour que nous percevions les signes de ta venue et que nous reconnaissions ta présence parmi nous. Nous te prions pour celles et ceux qui portent le deuil, que chacune et chacun trouve ton soutien, ton espérance, ta lumière. Seigneur Jésus, c'est toi que nous attendons. Comble notre profonde aspiration et conduis toutes tes créatures à la merveilleuse liberté des enfants de Dieu. Tu es notre espérance, aujourd'hui et pour toujours. En ton nom et selon ton commandement, nous disons maintenant ensemble la prière que tu as enseigné à tes disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. On apprend encore un chant avant les annonces. Un chant de l'Avent. Aube nouvelle dans notre nuit. Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
quelques annonces. Je ne sais pas si ça vient. Ouais. Quel dépannage, je laisse Jean-Daniel faire une annonce comme ça, c'est bien, ça tombe bien. Oui, ici à Saint-Nicolas, nous pensons beaucoup aux chrétiens persécutés, puisque régulièrement, il y a des informations qui sont données, notamment par portes ouvertes, et je me réjouis beaucoup aussi chaque fois que nous pouvons assister à une soirée animée par portes ouvertes. Moi-même, je suis engagé dans une autre association qui s'occupe aussi des chrétiens persécutés, CSI. Parfois, vous voyez des revues de CSI à la sortie qui donnent des informations. Et depuis maintenant plusieurs années, nous participons ici à Strasbourg à la veillée silencieuse organisée par CSI dans la période de l'Avent, une soirée pendant une demi-heure où nous nous tenons silencieusement avec des bougies dans un lieu un peu symbolique. Parfois, l'année dernière, c'était en plein dans le marché de Noël, mais ce n'est pas très autorisé. Donc, cette année, on va de nouveau sortir du périmètre de sécurité de la Grande Île et on pense aller devant le Parlement européen le mercredi 14 décembre de 18h à 18h30, donc une demi-heure où nous voulons penser, prier pour les chrétiens persécutés qui sont particulièrement visés pendant les fêtes de Noël. Il y a beaucoup d'attentats qui se font dans les pays où les chrétiens sont persécutés, justement dans cette période de Noël. Il y a des petits flyers à la sortie là-bas, je vais aussi en mettre ici, comme ça ceux qui veulent plus d'informations peuvent aussi consulter le site de CSI France avec la rubrique Veillée silencieuse. Merci. Merci. J'ai oublié de demander si on peut recueillir l'offrande pendant les annonces. C'est maintenant ou jamais. En fait, c'est la vente de l'avant qui m'a fait penser à l'offrande. Vous voyez un peu, c'est... Donc, ce soir, vous avez vu qu'il y a une vente de l'avant au puits de Saint-Nicolas. Vous pouvez, à l'issue de la veillée, encore acheter des petites choses. Je vous laisse découvrir tous les stands. Enfin, il n'y en a pas 36 non plus, hein. Il n'y a pas 36 000, mais vous aurez vite fait le tour. Et en même temps, il y a quand même pas mal de choses. Donc, je vous encourage à aller faire un tour pour découvrir tout cela. Et dimanche prochain, cette vente de l'Avent sera reconduite, c'est-à-dire que nous aurons donc de nouveau cette vente à votre disposition. Temps de jeûne et prière à Saint-Nicolas, ici même, donc, le 6 décembre de 12h15 à 13h15. Temps de prière et de partage biblique. La prochaine maraude, pour le mois de décembre, elle reste à définir, mais en tout cas, elle aura lieu, le Dieu voulant, le 28 janvier. 28 janvier, ça c'est sûr. Toujours à partir de... Ce sera peut-être à partir de 17h, on verra. Mais dans ces eaux-là, et puis après un temps de préparation, de louange, d'adoration, on va dans la rue pour amener l'amour du Père à celles et ceux qui en ont bien besoin. Voilà. On a fait le tour ? Eh bien, je vous invite à vous lever pour recevoir encore la bénédiction de la part du Père. Et puis aussi du Fils et du Saint-Esprit. Sœurs et frères, que le Dieu vivant vous bénisse et vous garde, que son amour, sa lumière repose sur vous et en vous, et qu'il vous donne de rayonner chaque jour de la paix et de la liberté des enfants de Dieu. Qu'ainsi vous bénisse et vous garde le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et on vous propose de prendre cette bénédiction encore en chantant. Alors, vous pouvez vous tourner les uns vers les autres, bénir votre prochain avec ces paroles: que Dieu te bénisse et te garde. Que Dieu te bénisse et te garde, qu'il t'accompagne sur ta route.
bénis et rentrez bien chez vous. Alors rentrez pas trop vite parce que comme dit, il y a les stands quand même avant. Hein. Merci, j'en profite pour remercier celles et ceux qui ont préparé ces stands. Je pense à l'atelier aquarelle, à ça y est, Caroline, Maddy, etc. Ils se reconnaîtront toutes celles et ceux qui ont préparé les belles choses et les bonnes choses et celles et ceux qui tiennent, je vais y arriver, les stands. Merci aussi à l'équipe de Louange, Azimut. Merci à vous. Merci à Judith pour la projection, à Sébastien pour la sono, à Arnaud pour la vidéo et à Mylène, et ça y est, je ne sais plus qui a fait avec Mylène, et Pascal, merci. Mylène et Pascal pour l'accueil. Merci aux équipiers de prière et merci surtout au Seigneur Jésus. Bonne soirée, à bientôt.